Bien, salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Vieux Valais. Et comme vous pouvez le voir, eh oui, cette fois-ci, c'est bien et bien la ferme Valaisanne. Regardez ce joli drapeau là qui flotte. Hein, c'est le Valaisan, il a posé son drapeau ici. Et ben là, c'est carrément la vallée du Valaisan. Hein, en tout cas, merci encore. Tu te reconnaîtras. Merci à Mendes. Hein, c'est vraiment sympa. Et là, moi, ça me fait plaisir. C'est vraiment magnifique, ça. Et ben, aujourd'hui, on se retrouve, ben, vu qu'on m'a posé un défi. Hein, je crois que c'est Nicolas Vigo, je crois, qui m'a dit, ben, t'oses pas faire des balles rondes sur le terrain là. Du reste, je vous remercie pour les commentaires. Vous avez été nombreux à me dire, ben, dis donc, c'est pentu tes terrains. Eh ben, on va aller faire quand même des balles. Je vais relever le défi. Hein, du reste, j'ai tout préparé. On a le masset avec la presse masset. Ici, ben, c'est toujours l'endonneur. Et puis, je vous montrer un petit truc là, sympa pour les balles, qui est sympa. Allez, c'est parti. On va aller directement commencer ça, le défi. Ah, hein, oh, ce drapeau là, j'adore. Les cochons, ils vont bien. Quoi, il va bien, oui. Ah, il me semblait qu'il avait la goutte au nez. Allez, c'est parti. On va commencer directement dans la pentraide là. On va descendre ça, on va allumer et c'est parti. Normalement, le masset, il va bien tirer. Et c'est parti. Alors, normalement, tout va aller bien comme il faut. Hein. Je vais tester. Hein. Je dis pas que le défi, je vais réussir. Mais normalement, si je maîtrise bien le Valaisan, de toute façon, il maîtrise toujours bien les choses. Et ça va aller. Alors, vous allez dire là, il a commencé un andin là qui est court. Donc, automatiquement, j'arrive en haut. Alors, vous inquiétez pas, on va faire vraiment dans la pente. Là, c'est bon. Hop, on va lever, on va reprendre ici en bas la ligne ici. Comme ça, est-ce que le cheval il tourne toujours? Ouais, il est un peu débile. Je pense que c'est un quenou du cheval. Il fait toujours des tours comme ça. Allez, c'est parti là. Il faut pas donner trop de coups de gaz parce que autrement, ben, on se retrouve vers les cochons. Bref, il faut freiner un petit peu. Alors j'ai plein de petits modes sympas que j'ai rajoutés là. Alors voilà, la première balle, allez. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle va rouler ou elle va pas rouler? Allez, normalement, ici, si je fais ça, normalement, elle va rester là. Et c'est bon. Non, elle va rouler. On va la stopper un petit peu. Hop, voilà. Et c'est pas triché, hein, Nicolas, tu peux le constater. C'est pas triché. Bon, normalement, je vais vous dire que dans ma région, les terrains, ils sont comme ça, comme je vous ai dit la dernière fois. Dans l'épisode 2, sauf erreur. Nous, on ramassait tout avec une auto-chargeuse, hein, mais une auto-chargeuse pas comme celle que j'ai en bas. C'est une auto-chargeuse, ben, comment on appelle ça, tractée. C'est un peu comme un Unimog. Il y en avait dans le FF15, du reste, mais ils étaient un peu buggés. Voilà, on va la tourner. Hop, on va faire comme ça. Et tu me diras, Nicolas, si j'ai réussi le défi. Hop. Ah, ben celle-là, elle va peut-être partir un petit coup. C'est pas trop grave, mais bon. On ne va pas trop loin. Mais c'est pas mal. Moi, je pense que je m'en sors bien. Comme j'ai dit, hein, là, on va tourner. Comme je l'ai dit, par chez moi, normalement, on ramasse tout à l'auto-chargeuse. Ben, elle n'a pas bien été loin. Regardez ça. Alors on va faire 2-3 montées comme ça là, peut-être que c'est. Regardez, elle tient Nicolas celle-là. Hein, elles sont pas en bas à péter les barrières des cochons. Alors je pense que le défi, on va attendre jusqu'à la fin que j'ai fait tout le champ. Mais normalement, bah, le défi est réussi. Hein. Pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Là, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Il a un peu de peine le masset là, mais bon, ça va encore, c'est un masset, c'est normal, il va très très bien. Celle-là, on va la poser ici en haut.
Ah, j'aime bien ces défis hein, que mes abonnés me tendent. Voilà. Et puis on va passer là. Hop. Ah, voilà, un petit fail. Taper un peu dans la barrière. On va partir juste là-bas. Je vais faire la ligne ici. Hop, c'est fini. On va laisser la balle ici. Voilà. On referme. Elle est bien cette petite. Mais bon, comme je dis, hein, par la suite, je vais tout faire. Bon, c'est vrai que les balles, c'est plus simple pour faire le mélange. Mais vu que le mélange, j'ai en bas vers l'entrepôt du BGA une mélangeuse automatique. Donc, je pense qu'après l'herbe et le foin, on va ramasser par l'auto-chargeuse. Hop, c'est bien fini. On va essayer pas de la foutre à l'eau, celle-là. Hop. Voilà, elle va rouler un petit coup, mais elle va s'arrêter. On va lever. Voilà. Allez, on va partir, on va refaire la ligne pour pas. Hop, on va descendre. Elle va pas rouler trop loin, toi. C'est bon, elle a pas roulé trop loin. Peut-être que je vais la taper là. Ouais, ça va passer. Hop. Allez, on monte par-dessus, ça se fait pas. Ne bouge pas trop. C'est bon, elle a pas bougé. Donc on est OK et on va repartir pour faire la dernière ligne en bas. Ça serait sympa, c'est pour ça que comme ça là, ça a bien rempli. Comme ça, on va partir ici en bas. On va faire attention parce que comme je dis, il faut pas aller trop vite. Hop, comme ça. Nicolas, tu pourras pas dire que j'ai pas fait dans la descente des balles. Hop, c'est fini. On va essayer de la mettre comme ça, celle-là. Faut dire que le terrain il penche aussi sur le côté. Alors, mais normalement là, tu vas pas bouger. Regarde ça, c'est nickel. On va partir doucement. Voilà, c'est parti. Par contre là, elle va m'embêter un peu. Ça va bien comme ça, on va repartir dans l'autre montée. Hein, parce que le but du défi, je pense que c'est que tu voulais voir carrément que j'étais en difficulté. Ah bah voilà. Voilà, tu vas dire qu'il y en a une qui a roulé, mais c'est normal, je l'ai tapé. Bah c'est bien. Voilà, ici c'est plus raide. Là, ça va se compliquer un petit peu. On va faire le bord là-bas. Voilà, au passage, on va se mettre un petit peu d'accordéon. Tiens, juste pour l'histoire. Voilà. Un petit peu d'accordéon, là, ça va être sympa pour la montée. Ça va nous donner de l'entrain. Hop, on va descendre. Et on est en Valais carrément, il manque plus que le fromage pour faire la raclette, le feu de bois. Après ça va être marrant avec le Nimog de venir couper les arbres là qui a la croix. Regardez ça comme le massé il tire bien, c'est magnifique. Couper ces arbres qui a la croix rouge là, ça va être magnifique ça. Avec le câble et tout, on tâchera de prendre l'autre câble. Hein. Du reste, ben, quand je tourne ça, normalement l'épisode. Alors, comment je vais la mettre? On va la mettre comme ça. Hop. Voilà. Normalement, comme ça, tu vas pas bouger. Je veux pas trop qu'elle aille sur la ligne là. Est-ce qu'elle roule? Elle roule un peu. Bah, elle va peut-être partir un peu dans la forêt. Hop, bah, bordel d'Adèle. Bah voilà. Défi. Pas relevé, regardez-moi ça. Ça, elle arrive droit direct ben, dans la grange normalement. Bon, finalement, ben, je me suis loupé avec celle-là. C'est pas évident. Vous me direz dans les commentaires si j'ai loupé le défi ou j'ai réussi. Enfin, bref. L'important c'est de passer un bon moment de rigolade. C'est la première qui roule, hein, note bien. On va faire les descentes là, comme ça
On va peut-être encore rigoler encore un coup. On entend toujours l'accordéon à Jeannot. Voilà, on va reprendre ici. Oui, alors j'ai pas levé, mais bon. Oups. Va doucement, va doucement. Ah, ben il y a toujours l'accordéon à Jeannot. Ben, c'est bien. Comme ça fera la musique là pendant l'épisode. C'est nickel. Alors celle-là, on va essayer de la mettre dans l'autre sens vu que tu roules dans l'autre. Regardez ça, la puissance du. Une puissance magnifique du masset. C'est pas un de ces crapauds verts qui ferait ça. Hop, allez. Oh, peut-être là, j'étais pas assez en pente. Hop. Ah non, c'est bon. Allez, on lève un peu. Regardez. Finalement, moi je pense que hein, c'est pas mal. Hop, allez, on descend ça. On va essayer de. Oh putain, elle a été vraiment loin. Elle était sans castrer contre le mur de la ferme. Allez, on va reprendre ici. C'est comme j'ai dit, hein, dans ma région, normalement, c'est avec l'autochargeuse qu'on fait ça. Mais bon, j'ai dit, je vais vous faire plaisir, vu qu'on m'a lancé ce défi. J'ai dit, le Valaisan, il reprend le défi. C'est nickel. Alors, allez, celle-là, elle a bien tenu. Mais comme on peut voir là, si je me mets comme ça, c'est en pente sur les côtés. Donc, c'est un peu compliqué. Là, c'est pas mal. Allez. Après, je vous montrerai cette pince là qui est assez géniale. Alors, je voudrais bien essayer de faire une balle ici pour voir si elle tient le coup ici au milieu. Normalement, là, parce que là, on est dans la côte, là, vraiment la grosse côte. Mais bon, il va très bien le masser. Hein. Bon, j'aurais pu prendre le plus puissant, mais j'ai dit, bah, tiens, on va essayer avec celui-là. Et il m'a l'air de tirer pas mal. Voilà. Hop, on va lever. Et celle-là, on va la mettre comme ça. On va voir si elle tient. Hein. Normalement, elle doit tenir comme ça. Peut-être pas comme ça. Voilà. Hop. Ne va pas dans la forêt. Ah non, elle tient pas. Voilà, la deuxième, ben, on ira la chercher dans la forêt. Avec la carcasse de voiture là-bas. Ne va pas trop loin. Voilà, il a fallu qu'elle tourne. Elle va s'arrêter vers l'arbre. Voilà, ben, c'est nickel. Ah ben ça, je savais que ça va être difficile de faire un défi comme ça avec une pente énorme. Hein, puis c'est pas la plus grande hein, que je vous dis sur la map. Il faudra avoir un bon tracteur pour tirer l'autochargeuse la prochaine fois. Voilà. On va lever ça. Hop. Alors j'arrive pas à enlever tous ces points d'exclamation là. Ça fait un peu moche. Quand on fait une vidéo, hop, on va le laisser et c'est reparti. Bon, on va dire qu'il y en a une, deux, trois qui sont partis un peu dans la nature pour l'instant. Celle-là va être compliquée parce que j'arrive. Bon, là, on va essayer de tourner comme ça. Voilà. Pour l'instant, on va lever peut-être. On va dire qu'il y en a trois qui sont partis dans la nature. J'en ai une qui est bonne là. Et de l'autre côté, il faut que je les compte. Je sais pas. On va voir, on va faire le score pour voir combien est resté sur place. Et puis celles qui sont parties dans le décor. Alors là, c'est bon. Là, il y en a deux qui sont bonnes. On va dire celle qui est là-bas, elle n'est pas bonne, donc ça fait une. Pour l'instant, on est allez, à 3, 3 contre 2. Donc deux bonnes. On va voir. Il y a encore le petit bout là après. Et après, ben, normalement, après j'ai que le plat. Donc le défi va être réussi normalement. Normalement. On va dire, on est ex aequo avec celle qui est là. Bon,
Il y en a une là-bas. On ira à pied après. Enfin, de toute façon, on va aller chercher justement après pour prendre aller rechercher dans la forêt cette. Oups, on va freiner quand même un peu. Je vais reprendre là. On va pas. Allez, je vais être gentil. Je vais pas compter celles qui sont ici en haut au plat. Donc il y en a deux là bonnes. Est-ce qu'on va être un match nul ou pas? Je sais plus combien il y en a de côté qui sont bonnes. Alors, écoutez, regardez. Une, deux, plus les deux là, ça fait quatre. Pour l'instant, ben, j'aurais remporté le défi. Alors, à vous de me dire si j'ai remporté le défi, parce qu'il y en a une en bas, une dans la forêt, plus celle qui est en bas vers la ferme, ça fait 3 contre 4, on va dire. Et si je compte, je compte pas celles qui sont ici en haut, donc ouais. Eh ben écoutez, 4 contre 3, je pense que c'est pas mal. Vous me direz ça dans les commentaires. Nicolas, surtout, celui qui m'a posé le défi. Oups. Parce que là, ben, je pense, ouais, c'est pas mal, moi. Moi, je pense que je suis correct. Je vais juste décharger celle-là. 4 contre 3. Moi, je pense que c'est pas mal. Et puis, je suis gentil parce que je n'ai pas compté celles qui sont ici en haut. Mais bon, là, ici, c'est plus ou moins plat. Donc, là, 2. 2 de l'autre côté, ça fait 4. Et si on calcule celle qui va les cochons, celle qui va la ferme, celle dans la forêt, ça fait 3. Donc, 4 à 3. Voilà. Un joli défi. Je vais finir les lignes là. Comme ça, on va aller vite chercher l'autre tracteur. Comme ça vous présente aussi en même temps ce petit mode là sympa. Que je sais plus où je l'ai trouvé. Je sais plus si on le trouve sur le mode hub ou pas. De toute façon, je vous montrerai dans le magasin si jamais vous tapez le nom. tapez le nom dans Google et puis automatiquement vous allez trouver. Ah, nickel, ça c'est nickel. Pardon, voilà, on va la décharger. Donc, moi je pense que après, c'est vous celui qui m'a posé le défi. Ouais, celle-là elle va partir, ça c'est clair. Après, vous me direz, ouais, disons qu'on serait match nul hein, avec celle-là qui file comme je sais pas quoi, qui est en train de voler. Attention de pas tuer un cochon parce qu'autrement ben, on fait directement le jambon. Allez, on va les poser ça là. On va prendre l'autre tracteur là, le petit Massey tranquille. Et on va aller chercher une ou deux balles juste pour vous montrer. Je vais les réunir ici en bas et puis comme ça je les chargerai après sur une remorque pour les mener au mélangeur. Pour faire du concentré. Voilà. Allez, c'est parti. Hein, c'est des Simpa, Sipma. Alors, c'est pour prendre les balles. Bon, je sais pas si ça marche sur les. Allez, on va aller chercher celle qui est dans la forêt là. Regardez-moi la puissance de ce masset là, c'est assez magnifique. Pourtant, il n'a pas les pneus pour devant. Allez, on va essayer de passer là. Il faut que je me rappelle les commandes. On va passer comme ça, voilà. On va juste faire comme ça, tout doucement. Normalement, ça doit jouer. Normalement, je descends. Oups, on va monter un peu parce que j'étais trop près et normalement c'est ça. Voilà, et c'est parti. Bon, ça branle un petit peu, ça branle un petit peu, mais normalement il doit tenir à moins que je l'ai mal prise. Je l'ai mal prise. Hop, on va la freiner. Hop, on va juste se mettre comme ça. Je vais pas réussir si.
Je l'ai peut-être mal prise. Oups. Ouais, je l'ai mal prise. Bah finalement ce mode, je sais pas si c'est moi qui prends mal, on va réessayer une autre. Si je la prends mal ou pas. On va essayer de prendre une ici. Comme ça, peut-être qu'il faut descendre un peu plus, bien trop au milieu. Oups. Oh là 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 là. Va doucement. Va doucement, ne t'excite pas le Valaisan. Ça. Alors, je sais pas s'il faut les bien la prendre en bas. Hop. Non, 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 non. Ne va pas plus loin. Voilà, on va lever un petit peu. On va fermer. Hop. Ça va être pas mal là. Si elle tient. Il ouais, faut peut-être prendre plus bas pour qu'elle tienne. De toute façon, je vais les laisser par là et on va se quitter. Alors, dites-moi comment s'est passé ce défi. Allez, on va ouvrir. Voilà, on va couper. Moi, je pense que, bon, à part celle que j'ai fait rouler là parce que je l'ai tapé, mais moi, je comptais depuis que j'ai fait les balles. Donc, moi, je pense que j'avais 4 sur 3 qui sont partis dans le décor. C'est, je pense, pas trop mal. Hein. Regardez. C'est pas mal, non? Là, ouais, hein? Oh, bah, du reste, on va aller chercher le tracteur là, puis on va se faire un petit shooting là. Comme ça, en pleine. Hop, on va lever. En pleine pente, ça fera le pixel. Et on va se quitter. Je vous laisse mettre le pouce bleu. Bon, petit défi comme ça, je vais pas en relever 40 000 fois. Là, ça va être sympa de couper ce bois. Là, je vois des croix rouges. Voilà, on va se mettre ici avec la montagne là, c'est peut-être un peu plus haut. Je vais juste voir comment ça donne là. Je pense, ouais, je sais pas. C'est pas terrible, c'est pas terrible. On va se mettre ici. Ça, il y a la balle là, ça peut être un peu mieux. Voilà, on va se mettre comme ça. Là. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ici. On va faire ça. On va faire le petit pixel. Voilà. Et on va couper. Je vais ranger ces balles. Je vais les amener sur l'armorque après. Bah écoutez les amis, moi je vais vous dire tout de bon comme on dit chez moi. Hein. Ne laissez vos commentaires. Et puis bah, j'attends vos réponses pour savoir si j'ai réussi le défi. Allez, ciao ciao tout le monde, à bientôt.